retrouve avec Océane. Et qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui? Je vais vous montrer les affaires pour la rentrée scolaire. Et si vous ne vous en rappelez pas, je vais vous rappeler qu'en fait, je vais passer en CP. Oh, mais ça y est, tu es une grande, dis donc. Waouh, toi la grande école. Alors tu vas nous montrer tout ce que tu as acheté? Oui. Oh là là, mais il y a beaucoup de choses, je vois, sur la table. Alors tu veux commencer avec quoi, ma chérie? Le cartable. Le cartable. Ok, bon, ben va pour le cartable. Alors je prends un cartable à roulette. Alors, c'est un sac à dos qui sort. Alors, comme ceci, voilà. Là j'en ai enlevé un. Là j'en ai le deuxième. Et voilà. Alors je vais présenter l'intérieur. Ici, c'est pour mettre la trousse, le goûter, tout ce qu'on veut. Voilà. Voilà, comme ça c'est mignon, on verra mieux. Voilà. On a cette pochette. Waouh, il a l'air grand l'intérieur. Et ensuite, on a cette pochette. Une deuxième pochette. Et ben, on a cette pochette. Encore une pochette. Et on a cette pochette. Oh, ben alors, il y en a des cachettes là-dedans. Et je crois qu'il y a aussi un emplacement pour mettre ton goûter. Prénom. Ah oui. Il est où? Tu le montres au copain, il ne voit pas. Je vais le mettre à l'endroit parce que ouais, ça va être mieux pour vous. Voilà, là on va pouvoir mettre le prénom. Et derrière, à quoi il ressemble alors? Waouh, il est vraiment beau ce cartable. Hein. Alors, je vais vous présenter mes deux trousses. Alors, d'abord, la double. Alors, elle est assortie en cartable, si vous voulez voir. Voilà. Trop beau. Alors, voilà. Alors là, déjà une ouverture. Et là, l'autre ouverture. Ça, c'est cool. C'est pour mettre quoi dedans? Tu vas mettre quoi dedans? Les feutres et les crayons. Comme ça, c'est séparé. Ça, c'est bien. Oui. On n'a pas besoin de me chercher dans tous les sens. Après, on a une trousse de ballerine. Voilà, de danseuse, qui est très belle. Waouh, elle est toute rose, dis donc. Ouais, avec, alors, j'avais pas vu ça. Alors, le porte-clés, c'est un chausson. Oh, c'est trop beau. Ah oui, c'est un petit chausson de ballerine. Trop beau. Et là-dedans, tu vas mettre quoi, alors? Alors, je vais mettre mon ciseau, ma colle, mes gommes, mon taille-crayon et mes crayons, mes stylos, ma règle. Ok, donc les choses que tu utilises tous les jours, en fait, oui, c'est ça. Pour travailler, en fait. Alors, on a un ciseau à bourron. Des ciseaux à bourron. Alors, à quoi ils ressemblent? Comme ça. Alors, on a du rose ici, là, et du bleu. Ils sont jolis, dis donc. Et en plus, tu es gauchère. C'est pour ça qu'on a pris ceci. Ouais. Et tu peux peut-être les déballer alors. Oui. Parce que ça y est, c'est bien pour la rentrée. Hein. Enfin, pas bientôt, mais bon. Non. Pas pouvoir. Ça avance. Tu prêt? Ça avance. Ah oui, ça avance. Alors, voici les ciseaux d'Océane. Bien sûr, ils sont pas. Ils sont sympas. Ils sont pas pour toi parce que toi, t'es trop tiers. Oui, non, puis ils sont un peu petits pour moi. Oui. Alors, tu continues avec quoi? Les crayons à papier, alors j'en ai beaucoup. On a un crayon comme ça, voilà. Un, on a 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 crayons à papier, voilà. Donc 5 crayons à papier en fait, ou bah, Bic Evolution, tous, hein, ouais, sans gomme, vraiment tous, hein, HB. Ok, ensuite on a quoi? Une gomme. Alors, ah bah tu peux peut-être. On a 2 gommes. Et oui, parce que cette année, dans la liste, ils nous ont demandé combien de gommes? Deux. Alors je sais pas pourquoi ils nous ont demandé deux gommes, mais bon, oui tu peux enlever dessus, mais je pense que bah il y en aura peut-être une pour les devoirs de la maison, je sais pas. Tu les montres un peu plus près aux copains et alors, tu peux ouvrir l'autre aussi. Oui. D'abord je vous montre elle. Elle sort comme celle que j'ai l'année dernière. Sauf que l'année dernière elle était rose et noire. Elle allait avec mon ciseau. Et cette fois, elle ne va pas avec mon ciseau, elle va avec mes cahiers, merci, je pense. Merci, ma chérie. Alors, voici la gomme qu'Océane a choisie. Je pense que la gomme, elle va avec mes cahiers et mes pochettes. C'est ça. Cette année, Océane, elle est en rose et violet. Voilà pour la gomme. Alors,
prends mon ciseau. Alors, Océane, on dit des ciseaux. Ouais. Décidément, je les aime bien, mes ciseaux. Hein. Mais oui, hein. Tu vois, t'en as besoin. Hein. T'en as encore besoin de ceci. Hein. Ben oui. Alors, quand j'ai mal ouvert. Ça y est, gomme numéro 2, libéré. 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 Oui, les stickers. Oh, les stickers. Oh, c'est trop mignon. C'est pour coller sur la gomme. Oh, regarde. C'est trop bien. Mais dis-moi, cette gomme, elle est spéciale, comment elle fonctionne? Oui, alors là, je l'ai montée et là, je la descends. Voici de plus près la gomme d'Océane. Donc c'est une gomme Maped encore. Alors là, on la pousse. Voilà, là, elle sort. Et là, hop là, on la rentre. Et à l'intérieur, tu avais quoi? Des stickers à coller sur la gomme. Ah, tu veux voir tes petits stickers? Merci. Waouh, mais il y en a plein, plein, plein. Regardez tous les stickers à coller sur la gomme. Ils sont trop chauds. Bah, je pense que tu pourras en coller plus tard, non? Ok. Quand on fera le cartable, parce qu'on va faire aussi le cartable, hein. Et ben, notre gomme, tu peux me la passer, s'il te plaît? Ah oui, et ton autre gomme, pardon. Excuse-moi. Merci. Ensuite, on a quoi? Un petit crayon. Rose et violet. Non, rose. Je vais le déballer. Pour gaucher. Pour gaucher, un petit crayon pour oui, gaucher. Et puis en plus, regardez, l'ouvre pour vider. Là, on referme pour qu'il soit tout propre en fait. Merci. Voici le petit petit crayon pour gaucher. C'est marqué L, alors ça veut dire left. Et left, ça veut dire gaucher, donc avec et réservoir. Alors, on continue avec la colle. La colle, donc la colle, qu'est-ce que tu as pris? 8 bâtons de colle. Oh, mais tu vas en coller du papier cette année alors, hein? Alors c'est quoi en fait? Ce sont des petits tubes comme ça. Avec voilà. Des dessins. Dessus. Tout simple. Donc on a du vert, du rouge. Du vert, mais on a du rouge, aussi du bleu et du rouge et du orange. Et du orange, vous avez vu. Voilà. Donc là on peut peut-être les mettre de côté. Ou on les ouvrir comme tu veux. Les ouvrir. Ok, ben on les ouvre et puis on les met de côté. Et voilà tous les bâtons de colle. Eh ben, il y en a beaucoup. Hein, pour, tu vas coller beaucoup de feuilles, je crois, cette année. J'en ai 8. Ça fait beaucoup, hein. Et pas de slime avec. Hein. Alors, on continue avec la règle de 20 cm. 20 cm. Une règle qui se tord. Ouais. A priori, incassable. Alors, mais bon, il faut quand même y aller mollo avec la règle. Hein. Elle est incassable, mais quand même. Hein. Ouais, elle peut se casser quand même. Ah oui. Car moi qui l'ai cassée un jour. Oui, ça m'a déjà cassé une comme ça. C'est vrai, ma chérie. Alors, tu fais encore? Ouais. Et voilà. Voici de plus près la règle qu'Océane a choisie. Donc, une règle bleue. Hein, de 20 cm. Incassable, a priori. Ensuite, on continue avec quoi, Malmouth? L'agenda. Un agenda. Alors, il est trop, trop beau. Je l'adore. Je vais vous montrer l'univers de mon agenda. C'est un agenda aussi qui est assez spécial parce que c'est un agenda à colorier. À colorier. Et oui, les amis, il est trop beau. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer une page à colorier. Voilà la plus belle page que j'adore. La licorne à colorier. Waouh, elle est trop belle cette licorne. Ouais. Ah, c'est vrai les amis, moi aussi j'ai craqué pour cet agenda, il est vraiment trop beau. Et Océane, il faut savoir qu'elle adore dessiner. Oui. Ouais, il est trop bien, il est trop trop beau. Alors on continue avec les stylos à billes. Des petits stylos à billes. Alors fais voir à quoi ils ressemblent. Donc tu en as deux, ils ont demandé deux dans la liste. Et voici à quoi ils ressemblent. Donc ce sont quoi comme stylos, Louloute? Des stylos à bic qui s'effacent. Voilà, ils s'effacent. Alors, ceux-ci ne sont pas les frictions, ce sont des bics illusions. Et ça se recharge. Et ils sont rechargeables. En plus, ils ont un petit grip ici qui est sympa pour les enfants, pour tenir. Je trouve que c'est bien. Donc, on en a deux. Et si on n'a plus d'encre, on pourra acheter les recharges qui vont avec. Ouais. Et bon, je pense que là, tu auras assez d'encre pour le moment. Alors, on continue avec la palette. Alors, bien sûr, elle est un peu cassée, mais ça va.
Oui, bah ça on va l'enlever de toute manière, c'est beaucoup trop l'enlever. C'est les super-héros. Alors c'est quoi ça? Une palette de super-héros. Alors une petite palette de peinture. Bon. Alors on continue avec la palette. Une palette de pastilles de gouache. Alors je vais l'ouvrir. Voilà. Alors il y a des étoiles comme les super-héros. Waouh, trop belle, hein. Je vais montrer de plus près les amis. Voici la palette de gouache d'Océane. Alors on a trouvé les couleurs plutôt vives et plutôt sympathiques. Alors je vais vous montrer qui fait ça. En fait c'est Mapped Color Peps. Alors, je les ai trouvées vraiment très très belles les couleurs, hein. Elles sont vraiment vraiment belles et sont en forme de super héros. Ouais, et en plus ce qui est bien c'est qu'il y a un pinceau qui est très fin. En plus il y a un petit pinceau avec. Continue avec les étiquettes. Pour coller. Alors ça c'était pas sur la liste bien sûr, mais on a besoin de marquer les prénoms sur les accessoires, les cartables et tout. Ouais, le cahier, enfin bon, surtout il faut coller son petit nom, donc fais voir à quoi ressemble un peu ces étiquettes. Alors on a des cœurs. Merci. À paillettes. Donc les petits cœurs à paillettes, un rouge très mignon. J'adore les cœurs. Merci. Des couronnes avec des baguettes. Des princesses, des couronnes cute. C'est trop mimi pour les petites filles. Bon, on les ouvrira après, non? Ok. On continue avec les crayons. Les crayons, alors... pas des gros. Des crayons de... couleur. Et voilà, des crayons de couleur. Des fins, pas des gros. Voilà, donc on en a pris combien? Qu'est-ce qui a marqué? 18. Donc 18 crayons d'évolution Bic. Et ensuite, on a pris, pour aller avec, bien sûr... des feutres. Beaucoup de feutres. Beaucoup de feutres. Donc on en a 24. Ce sont, pareil, les Bic Kits qui sont très très lavables. Celui-là, je les trouve super. Ensuite, on a pris quoi? Il y en a beaucoup, hein, les choses, hein, cette année. Hein. Une ardoise. Alors, elle est rose cochon. Je pense rose poulet, en fait. Rose corail, on va dire. Rose cochon. Voilà. Après, on a des feutres Velleda avec. Et alors, il nous en faut encore deux. On va pas tout prendre. Mais bon, les autres, en fait, le vert, le rouge et le vert. Le vert, le rouge et le noir qu'il y a à l'intérieur, on les utilisera pour notre maison. Voilà, on a un tableau à la maison et on l'utilisera pour la maison. Et on a pris cette année... un chiffon, je peux l'ouvrir? Oui, si tu veux. Bon, il me faut encore le ciseau. Alors en fait, cette année, on a pris un chiffon en plus parce que je vais vous montrer, les amis. Je vous montre l'ardoise de plus près. Donc la voici, c'est une petite ardoise en fait aux couleurs rose corail, très jolie, avec un petit... feutre Velleda. Un petit feutre Velleda, mais aussi quelque chose pour effacer. Mais cette année, on a pris un chiffon. C'est parce mieux. Que souvent, Océane abîme ce petit chiffon qui est fourni avec l'ardoise. Ou des fois, on peut le perdre. Donc, le chiffon, c'est toujours pratique. Mmh. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin, Louloute, pour cette rentrée? Bien sûr, des feutres Velleda. Ouais, ça c'est dit. Je les ouvrais pas. Oh, tu veux pas les ouvrir? Non, bon, comme tu veux. Parce que ça va en mettre partout. On continue avec les cahiers. Alors, un cahier. Un cahier de travaux pratiques. Alors ça va être certainement pour les poésies. Rose. Ouais, rose, rouge. Mm-hmm. Alors on a pris que des cahiers avec des couvertures en plastique. Ouais. Elles sont plastifiées comme ça, on n'a pas besoin d'être de protège-cahiers. D'autres petits cahiers, on alors. On a quatre petits cahiers. À quelle couleur? Alors, rouge, 48 pages. Bravo. Que des cahiers de 48 pages. Rouge. Jaune, bleu et je sais pas quoi comme page. 48 aussi. Non, 96, pardon. 96 pages en vert. On a aussi des grands cahiers. Là, j'ai choisi des très belles couleurs, comme on m'a dit. Du violet, très joli. Il est magnifique ce violet, j'adore. C'est un violet bleu un peu, ça va être très bien comme cartable. Et le rose fuchsia. Il est trop beau. Et pour terminer, donc on a encore... un classeur. Ça, ça s'appelle un porte-vue. Tout dedans, il y a des pochettes en fait pour mettre plein de photocopies dedans. Non, ça, on ne sait pas ce que c'est. Alors ça, c'est du papier vitrail.
Alors il y en a qui dans les commentaires qui nous ont dit que le papier vitrail va t'aider. En fait, tu vas dessiner des formes sur des feuilles, il y aura des formes. Et il faudra que tu les replaces, tu auras découpé les formes en fait sur le papier vitrail et tu remettras dessus pour voir à travers ces formes. Et ce sera très compliqué ça en CP. Hein. Peut-être pas. Peut-être qu'en CP j'aurai au moins 7 ans. Peut-être que j'irai avant. Oui, tu vas avoir 7 ans quand tu seras en CP, oui. Et d'ailleurs, je crois que c'est Rory qui nous l'a dit, la grand-mère de Rory d'ailleurs. Merci Rory d'ailleurs pour ton petit commentaire et tes petites infos sur le papier vitrail. Et pour terminer, nous avons des pochettes. Alors, j'ai pris encore du rose. Comme d'habitude. Du rose avec du violet clair. Et ben, alors, je vais le fermer. Voilà. Et voilà. Ça va être mieux comme ça. Ça y est? Oui. Ça y est, t'as fini? Oui, j'ai plus rien du tout. T'as plus rien du tout? Ben, je crois que c'est déjà bien, hein, non? Oui. C'est la fin de cette vidéo et on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. Et aussi, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si vous, en quelle classe vous allez rentrer. Ouais, parce que ça allait rentrer en CP, mais peut-être que des copains, ils rentrent aussi en CP, mais aussi dans d'autres classes. Hein. Il y en a beaucoup qui rentrent, je sais, cette année au collège, donc. On vous fait de gros bisous pour la rentrée de la 6e parce qu'on sait vraiment qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui stressent, mais il ne faut pas stresser du tout. Il faut se dire que l'école, c'est fait pour s'amuser et apprendre. Oui, c'est pas grave si on fait des fautes en fait. Non, c'est pas grave si on fait des fautes. Donc les amis, on est là pour apprendre. Et on est là pour apprendre, tout à fait. Donc les amis, on vous laisse. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao. Bisous les amis. Ciao.